sorcière, t'es une vieille. Et je dormais en rêve. Elle dit de tuer mon papa. Je dis pourquoi tu ne peux pas tuer mon papa. Elle dit de prendre son travail. Je dis d'accord. Maintenant, elle a pris son travail. Maintenant, chaque nuit, elle vient me prendre. Donc, c'est un mec qui a fait la pluie, le PPC de ma grande soeur. Je dis qu'il a tué combien de personnes. Je dis 5. Tout ça, là, c'est ça, je dis aujourd'hui, comme je ne veux pas mourir dans la sorcellerie, je veux donner le travail de mon papa. Ça fait 6 ans que je ne travaille pas. J'étais un cadre dans une société de négoce. Ce n'est pas les opportunités que je ne présente pas. Donc, c'est en ce moment, c'est pour cela que je suis venu ce matin. Puissance. Ce monsieur, c'est un grand frère du quartier. Quand il a l'argent, il avait. Il avait une voiture. Aujourd'hui, le voit, on se fait étonner. Donc, il dit, comme il a donné son travail, jusqu'à lundi, il fait encore son travail. Le sang de Jésus. Une puissance. Il n'y a pas dans ce livre. Il y a la puissance de Dieu. Dedans. Il a dit, il a encore ouvert ma petite soeur, on va la délivrer. Mais si on la délivre pas, elle va cacher son travail encore. Ça fait combien de temps que tu es dedans? Plus de 3 ans. 3 ans. Elle t'a délaissé le sang, tu as bu le sang humain. Oui. Tu as mangé l'homme, tout ça. Oui, oui, tout ça il fait. Elle te donnait quelle partie pour manger? Pied. Pied. Vous savez qu'elle t'envoie aller faire des opérations. Oui. Il dit quoi à Jésus aujourd'hui? Il a dit merci à Jésus. Il a dit les dieux donnés. Comme il a dit, on est en train de placer les choses. Les ordinateurs, les tout ce qu'on a pris. En sorcellerie. Oui, on est en train de faire. C'est pour ça qu'il a eu son travail jeudi. Puissance. Puissance. Je dis merci au Dieu de papa. Depuis fin 2006, je suis au chômage. Ma grande sœur Plena et ma maman ont commencé à faire venir les enfants chez papa Florent. Pour venir chez papa Florent, on m'appelle de voir une sur la base. Ma sœur, je suis couché. Vous n'avez pas venu, tu étais où? Samedi 17h01. Lendemain, dimanche, je suis allé voir papa Florent. Papa Florent a pris la carte de visite. Il a mis sur son frère Martin. Il va avec la joie. Amen. Que le blanc m'appelle, il me dit, monsieur, je vais te voir. Le jeudi, j'arrive, je rencontre le blanc. On a discuté salaire, on a discuté fonction, c'est que je dois être. On dit contrôleur de gestion. Ce lundi, je m'en vais, je suis assis devant blanc. Il me dit, mais contrôleur de gestion, ça fait trop petit. Je te donne auditeur interne. Qui vous a conduit ici? C'est ma maman qui m'a conduit ici. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ah, elle avait été opérée. Oui. Maintenant, quand elle a été opérée, quand on met l'espadrin, la plaie s'agrandit. Donc, quand elle est venue ici, papa a mis la serviette. Quand elle est partie, la plaie est finie. Donc, elle nous a dit, venez ici, que Dieu est ici. C'est ça, on est parti. Anna, au début, elle disait qu'elle n'avait pas pris le travail. Mais quand elle a bu le lait, elle dit, c'est moi, j'ai pris le travail. Ça, oui, elle était chou comme ça. Même, elle a appelé mon papa, qu'il n'a pas venu, il dit. Que vous parlez d'ici, qu'est-ce que ça vous a fait? Moi, je croyais pas. Pas du tout. Pas du tout. Pourquoi? Vous croyez en Dieu d'abord? Je crois en Dieu, mais je pense qu'on est passé dans des églises et autres. Ça fait que, je veux dire, on a fait tout ça, et puis on perd son travail facilement. Bon. Donc, même quand ma fille m'a dit à la maison chez ma grande sœur qu'elle a pris mon travail, ça c'est du n'importe quoi. Bon. Sincèrement. Donc le jour ici, quand bien même que je sois averti pour venir, à quoi vous êtes, moi je suis là pour moi aussi. J'ai fait croire à ma grande sœur que bon, j'ai battu et fait une douce. Et c'est sous la bâche qu'elle est sortie pour m'appeler. Tiens, ta fille te réclame. Là, bon, ça m'a touché. C'est ainsi que je suis venu sur la bâche. Et c'est devant toute l'assemblée qu'elle a expliqué comment est-ce qu'elle a fait mon travail et qu'elle me donnait le travail même le lundi.
que ça n'a pas, même pas arrivé là-bas, ils m'ont appelé. Je suis venu témoigner à Port-Louis. Avant sa naissance, moi j'avais ordinateur, il y avait tout ça dans mon salon. Avant elle, sa naissance. Mais avec leur naissance, je me suis retrouvé dans un milieu où ma belle-fille pouvait vivre ma maison. Avant elle, sa naissance, j'avais ordinateur. Où l'ordinateur faisait 1 million, j'avais ça chaud. Mais quand elle est née, les difficultés ont commencé. Mais la date qu'elle a fixée, ça y est fait, ça y est résultat. Oui. Parce qu'elle a dit un lundi. Oui. Et avant le lundi, moi, on m'a appelé pour un test. Mais je me dis, je ne peux pas informer ces gens-là. Parce qu'ils peuvent gâter encore. Sinon, avant le lundi, tout était bouclé avec les plans déjà.